Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, le pasteur Adonai. Dieu vous bénisse, maman Fallon. Je vous vois, que le Seigneur soit loué. Alors, l'homme de Dieu, c'est comment? Je suis sûr que tout va bien. Je suis sûr que tout va bien, papa Donaï. C'est comment le plan, hein? Est-ce que tout va bien à la maison? Et c'est comment les choses de Dieu, ça se passe bien? Comment ça se passe là-bas à la maison? Alors, je suis sûr que vous allez très bien là où vous êtes. Alors, l'homme de Dieu, essaie de partager la vidéo pour moi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo pour moi. Est-ce que vous pouvez appeler quelques personnes? Est-ce que vous pouvez appeler quelques personnes avec moi? Est-ce que vous pouvez appeler quelques personnes avec moi? Parce que je suis très sérieux aujourd'hui. Je suis tellement très sérieux. Merci beaucoup, Maman Fallon. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci, Rite Kalonji. Merci, Laurie Kalusha. Merci à toi. À toi, Jean. Merci à toi. Esaïe Tamboué, alors, bon mariage, mon ami, aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, on va aller rapidement. Vous avez remarqué qu'il y a un peu, peut-être vous pouvez dire que il y a des choses qui ont changé derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une modification. Alors, j'aimerais être avec vous aujourd'hui. Et dans ces samedis d'aujourd'hui, enfin, de partager un moment tellement fort, un moment de prière. Parce que on a été engendré par la prière, on a été engendré par des sacrifices, on a été engendré par des sacrifices, par le sang, on a été engendré à travers la mort de Jésus-Christ. Alors, on a été engendré par la prière, et on a été engendré par l'amour. Alors, si on est engendré par l'amour et par la prière, ça veut dire nous avons l'identité de Jésus-Christ. Ça veut dire que si Christ priait, alors nous allons prier. Alors, si Christ enseignait, alors on doit être enseigné. Est-ce que tu es là avec moi? Partage la vidéo. J'ai besoin de voir autant de gens suivre cette vidéo. J'ai besoin de voir autant de gens, hein. Pourquoi pas 1000 personnes suivre cette vidéo? Pourquoi pas 1000 personnes suivre cette vidéo? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur soit loué. Merci à toi, la personne qui est en train déjà de partager. Merci à toi, la personne qui est en train de partager. Alors, on a commencé en retard et on est en train de dire, il y a les autres, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le live n'a pas encore commencé. Mais comment alors? Alors, je suis sûr que nous passons des moments magnifiques. Merci à toi. L'homme dédié, Adonai est en train de dire, je suis là. Alors, merci papa, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Alors, merci à toi aussi, la personne qui est en train de nous suivre en dehors et en dehors d'ici en Amérique. Tu es en dehors du pays, tu es en Afrique, tu es Congo-Brazza, tu es Congo-Kinshasa, tu es Gabon, tu es en Gabon, tu es en Afrique du Sud. Que le Seigneur bénisse, que tout le monde qui est en train de me suivre maintenant, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Avant qu'on puisse démarrer, avant qu'on puisse commencer, aller encore loin, est-ce que on peut essayer de lire? Est-ce qu'on peut essayer de dire merci à Dieu et de lire la parole? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu et de lire la parole? Je suis sûr que là où tu es, je prie ma prière et que le Seigneur puisse te localiser là où tu es. Ma prière est que le Seigneur puisse te localiser là où tu es. Ma prière est que le Seigneur puisse te localiser là où tu es. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur puisse te mettre dans l'assiette de son onction. Que le Seigneur puisse te mettre dans son assiette de l'onction. Que le Seigneur puisse te mettre dans l'assiette des changements. Alors là où tu es, je veux qu'on puisse entrer en prière. Je veux prier le Seigneur et puis on doit démarrer, ok?
Je vais prier le Seigneur, on va démarrer. Est-ce que tu peux te lever avec moi là où tu es? Alors tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu merci. Merci pour sa bonté, merci pour sa puissance. Au nom de Jésus, commençons à prier. Ô Père de gloire, je te prie Jésus-Christ, je te prie mon Dieu, je te prie papa, je te prie papa, je te prie papa, je viens mon Dieu papa à toi te dire papa Seigneur merci. Merci pour ce moment glorieux, merci pour ce moment de gloire, merci pour ce moment magnifique. Merci pour ce moment, mon Dieu, magnifique dans ta présence. Merci de permettre que mon Dieu, qu'on puisse, mon Dieu, être encore là. Merci de permettre qu'on puisse être encore, mon Dieu, en contact avec les gens qui nous suivent. Merci, Père de gloire, d'aider, Père de gloire, de faire que, mon Dieu, que même les gens qui me suivent à la maison, qui puissent, mon Dieu, oh Père, Seigneur, me voir maintenant. Père, je te prie, Jésus. Père, je te prie, Père de gloire. Je te prie, mon Dieu, sois là au milieu de nous, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci mon Dieu, merci pour cette invitation magnifique, merci pour cette invitation magnifique, merci pour cette invitation magnifique. Tu es tellement glorieux, le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, merci Papa. Oh Père de gloire, merci. Alors que Dieu te bénisse là où tu es, est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Je ne te vois pas. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Que Dieu vous bénisse. Oh, homme de Dieu. Homme de Dieu, Adonai, oh maman, Fallon, Kielani. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors que le Seigneur soit loué. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors que Dieu soit loué. Alors je veux qu'on puisse entrer aux profondeurs dans notre moment fort de prière, dans notre moment fort, moment de conversation, moment d'enseignement. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Tu peux partager la vidéo avec moi. Partage la vidéo avec moi. Partage la vidéo avec moi. Je veux que tu partages ensemble avec moi. Je veux qu'on puisse partager la vidéo. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Partage la vidéo ensemble avec moi. Partage la vidéo ensemble avec moi. Si tu es là, fais-le avec moi. Si tu es là, fais-le avec moi. Si tu es là, fais-le avec moi. Fais-le avec moi. Partage la vidéo. Alors, je vous vois pas. Je vous vois pas. Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux sentir votre présence? Est-ce que je peux sentir votre présence? Que le Seigneur soit loué. On va aller prier. On va aller prier Dieu. On va aller prier Dieu, on va aller dire à Dieu là où nous sommes, on va aller dire à Dieu même à la maison, toi qui me suis, on va aller dire à Dieu même à la maison, toi qui es en train de me suivre, nous allons prier à Dieu, nous allons aller détruire toute puissance démoniaque qui s'élève contre nous, qui s'élève contre ta vie, qui s'élève contre toi, afin de t'empêcher de ne pas toucher les choses de Dieu, afin de t'empêcher de ne pas toucher les choses de Dieu, afin de t'empêcher de ne pas toucher les choses de Dieu, enfin de t'empêcher de ne pas entrer aux profondeurs dans les choses de Dieu. On va aller prier le Seigneur, on va aller prier. Frères et sœurs, pourquoi je fais cette prière? Pourquoi je suis en train de donner cette intention de prière? Parce que il y a beaucoup de gens où que dans ces moments de confinement a fait fatiguer beaucoup de gens, a fait fatiguer beaucoup de gens. Les gens, beaucoup de gens ont fatigué, beaucoup de gens sont fatigués, ils sont fatigués dans ce moment de coronavirus a fait fatiguer les gens. Les gens sont devenus trop bizarres. Des gens sont devenus trop bizarres. Des gens sont devenus fatigués dans les choses de Dieu. Alors là où tu es, avant d'entrer aux profondeurs, avant d'adorer ton Dieu, avant de prier ton Dieu, je veux qu'on puisse aller prier. Tout esprit mauvais, tout esprit de lourdeur, tout esprit de lourdeur qui fait que ton esprit puisse pas être connecté avec des choses qui se passera ici, que ton esprit puisse pas être connecté avec des choses qui se passera ici, dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je viens, mon Dieu, papa, je viens, mon Dieu, papa, détruire, mon Dieu, détruire, papa, toute puissance, mon Dieu, toute puissance, papa, toute puissance, mon Dieu, démoniaque, Père, qui s'élève, Jésus-Christ, qui s'élève, Père de gloire, qui s'élève, mon Dieu, afin de, mon Dieu, de me
ramener, mon Dieu, Seigneur, une lourdeur, de me ramener, mon Dieu, papa, une lourdeur pour ne pas, mon Dieu, être connecté, pour ne pas, mon Dieu, être connecté, pour ne pas, mon Dieu, être connecté et être touché, mon Dieu, dans ce moment, Père de gloire. Je prie à toi, Jésus, je prie à toi, j'ai détruit toute puissance, j'ai détruit toute puissance, mon Dieu, papa, c'est là qui ne glorifie pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie, Père de gloire, laisse que mon Dieu, papa, tout esprit, mon Dieu, tout esprit démoniaque, tout esprit démoniaque, tout esprit démoniaque, puisse, mon Dieu, papa, Seigneur, tomber, tomber maintenant que je parle, tomber maintenant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu, papa, même dans mon esprit, que je puisse pas être connecté, que je puisse pas être connecté, que je puisse pas être touché dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu, ta grandeur puisse être notre partage maintenant que je parle au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller prier encore Dieu. Nous allons encore prier Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, je veux que mon Dieu dans ce moment, je veux que dans ce moment ici, que tu puisses, mon Dieu, se manifester. Et que tu puisses se manifester. Et tu puisses, mon Dieu, faire quelque chose. Et que ton nom et ta puissance puissent, mon Dieu, descendre sur moi. Que l'onction de Dieu puisse me toucher. Que la puissance de Dieu puisse être mon partage. Que la grandeur de Dieu puisse être mon partage. Et maintenant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Père de gloire, je prie au nom de Jésus. 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 Laisse que mon Dieu, papa, que tu puisses, mon Dieu, papa, ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel pour moi. Ouvrir le ciel pour moi. Ouvrir le ciel pour moi. Que le ciel soit ouvert. Que mon Dieu, papa, lorsque quand j'entends les choses de Dieu, lorsque quand j'entends les choses de Dieu, lorsque quand on parle de Dieu, que je puisse être touché, lorsque quand on parle de Dieu, lorsque quand on parle de l'enseignement, que je puisse être touché, que je puisse être touché, je prie, papa, que ce soit, mon Dieu, tout ce que nous allons parler, ça puisse, mon Dieu, papa, toucher et influencer nos vies dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Laisse que ta puissance et ta grandeur, mon Dieu, soit notre partage. Partage, sois notre partage, partage de tous les jours, partage de maintenant, donne-nous le pain, Père de gloire, qui va nous faire du bien, donne-nous le pain, Père de gloire, qui va nous faire du bien, donne-nous le pain, Père de gloire, le pain de ces jours, de tous les jours de notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, il est très important de prier le Seigneur. Il est très important de se connecter avec Dieu. Il est très important de vouloir et de respecter ou d'avoir besoin de Dieu tous les jours. D'avoir besoin de Jésus tous les jours. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas te prendre Jésus. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas te prendre Jésus. On peut tout te prendre, on ne peut pas te prendre Jésus. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas t'arracher Jésus. Car Jésus, c'est notre vie. Car Jésus, c'est notre vie. Car Jésus, c'est notre maître. Car Jésus, c'est notre créateur. Car Jésus, c'est notre créateur. Le Dieu tout-puissant. 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 Il y a un homme qui est en train de dire, il chante une chanson, il dit, « Nako kendeli susu api » Yozali elongananga yozambe yozambe nanguya nakokokanisa yona nani yozali elongananga yozambe yozambe nanguya. Na kukukanisa yona nani
Yozali elongana, yonzambe na nguya. Saint-Dieu est comparable. Et na koko kanisa yonanani. Yozali elongana, yonzambe na. Oh, likolo, likolo, nase, engumame, layo, yozambe nangu, oh, likolo, 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 nase, engumame, layo, Yesu nanga, yo, yonzambe nangu, oh, likolo, likolo, nase, engumame, layo, Yesu nanga, yo, nzambe. Oh, likolo, 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 naze, ngumbamela yo, Yesu nanga, yo nzambe. Ah, ye, likolo, 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 naze, ngumbamela yo, Yesu nanga, yo nzambe. Oh, likolo, 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 na, oh, engumbamela yo, Yesu nanga yo, Yahweh. Ah, yemali kolo, likolo, likolo, nase, engumbamela yo, Yesu nanga yo nzambe. Il est incomparable. Oh, likolo, 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 na, oh, engumbamela yo, Yesu, Yesu, oh, likolo, Yesu, likolo, nase. Ngumbame elayo Yesu nangayo Yahweh. Ah, il est un Dieu incomparable. Il est un Dieu incomparable, même toi qui me suis à la maison. Même toi qui es ici, il est Dieu incomparable. La chanson est en train de dire Likolona Sezana Mokota Kokaninae. Des circonstances de la vie. Ce n'est pas dit que non, ça va changer la personne de Jésus. Les hommes passera, le mariage va passer, alors l'argent va passer, tout va passer que nous avons, mais il y a Dieu qui ne passera jamais. Il y a Dieu qui ne passera jamais et il y a Dieu qui ne changera jamais. Et peu importe ma sœur, mon frère. Que le monde va s'attacher au, que les gens va s'attacher au monde, que les humains va s'attacher au monde. Mais toi, je t'invoque, mais toi, je t'en supplie, attache-toi à Dieu, attache-toi à l'Éternel, attache-toi à l'Éternel. Peu importe les situations difficiles, alors ne lâche pas, alors n'abandonne pas, alors ne laisse pas. Oh, je t'invite de s'accrocher à Dieu parce que Jésus, il est incomparable. Ta situation ne fera pas que Dieu puisse changer. Des moments difficiles que tu passes, ça ne sera pas une occasion que Jésus puisse changer. Des moments dans le noir que tu passes, ça ne changera pas la personne de Jésus. Alors garde-toi, toi qui es déjà avec Dieu, alors reste avec lui, sois attaché à lui. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Alors je suis sûr que demain, c'est là que nous allons entrer en profondeur. Mais ce que je vais te dire est que accroche-toi à tout moment à l'Éternel. Accroche-toi à tout moment à Dieu. Car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Car c'est lui qui nous ramène dans le chemin de la vérité. Car c'est lui qui nous ramène dans le chemin de la délivrance. Car c'est lui qui nous ramène dans le chemin de changement. Car c'est lui qui nous ramène dans le chemin de gloire. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est un Dieu incomparable. Il n'a jamais changé. Je parle à toi, frère. Je parle à toi, sœur. Peu importe quoi que ce soit, ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de continuer à faire du bien. Ne te fatigue pas de continuer à aimer. Peu importe même, les gens te trahiront. Peu importe même, les gens te feront du mal. Mais que ça puisse pas être une porte qui est ouverte afin de laisser Dieu de dire, oh, je laisse parce que les gens ne m'aiment pas. Je laisse parce que les gens ne veulent plus de moi. Je laisse parce que je ne vois pas l'argent. L'argent ne construit pas l'homme. L'argent ne construit pas l'homme. L'argent ne valorise pas l'homme. Humainement par là, on va dire l'argent. Oui, c'est ça qui fait que l'homme puisse être. Mais en réalité, il y a même des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. En réalité, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont dans des hôpitaux maintenant. Mais en réalité, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas calmes. Mais toi qui as Jésus, tu as une vie qui est bien, dans une garantie bien vraiment faite. Toi qui as Jésus, tu es mieux protégé parce que l'Éternel est à ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel est à ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse, Papa Adonai. Dieu te bénisse, Maman Fallon. Dieu te bénisse, vous tous qui est branchés maintenant. L'Éternel est avec toi. Il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Il dit dans sa parole, je serai avec toi. Il a même dit lui-même, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Attache-toi à Dieu. Car celui qui s'attache à Dieu a la possibilité de capacité donc d'affronter certaines choses. Celui qui s'accroche à Dieu a ce pouvoir afin de marcher sur les scorpions, les serpents. Celui qui a Dieu, il a la capacité de prier. Celui qui a Dieu, il a la capacité d'affronter les choses. Celui qui a Dieu, même si on lui arrête, même si on lui empêche, mais tôt ou tard, il finira par s'élever parce que Dieu est à ses côtés. La bonne nouvelle est qu'on ne combat pas celui qui a Dieu. La bonne nouvelle est que on ne combat pas celui qui a Dieu. La bonne nouvelle est que on ne freine pas celui qui a le Seigneur. La bonne nouvelle est que peu importe que maintenant que tu vois rien, mais demain, ah, Dieu te réserve de bonnes choses. Donne-moi un bon amen. Hein. Dieu te réserve de bonnes choses. Dieu te réserve de bonnes choses. Alléluia. Dieu te réserve de bonnes choses. Parce que pourquoi tu y es avec lui? Il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Jésus à cause des circonstances de la vie. Mais toi, tu n'as pas fait. Mais toi, tu es fidèle. Mais toi, tu es là. Frères et sœurs, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Car c'est Dieu qui nous donne la force. Car c'est Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous qui sont là, qui sont en train d'entrer maintenant, est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour moi?
Est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour moi? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour moi? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour moi? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour moi? Partage la vidéo pour moi. Je veux que tu partages. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? On va aller rapidement. On va lire, frères et sœurs. On va aller rapidement. Jésus est tellement bien. Jésus est tellement magnifique. Jésus est tellement merveilleux dans notre vie. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le Dieu qui nous fait toujours du bien. Il est le Dieu qui nous aide enfin de s'approcher encore, d'entrer encore en profondeur. Alors, la bonne nouvelle que je te ramène ce soir, peu importe quoi que ce soit, peu importe des situations difficiles que tu passes, peu importe le combat, alors en qualité d'un serviteur de Dieu, alors en qualité d'un homme de Dieu, je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur toi et que la liberté soit ton partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. On va aller lire, frère et sœur. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, est-ce que tu es avec moi? 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Est-ce que tu peux écrire là, juste dans l'écran là? Je veux le voir. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le voir, frère et sœur? Est-ce que je peux le voir, frère et sœur? Est-ce que je peux le voir, frère et sœur? Hallelujah. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. À partir du verset 7. La Bible dit quoi? Je vais aller lire. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. J'aime bien ma version. Reste avec moi. J'aime bien ma version parole vivante. Lui, il dit quoi? Toujours parole vivante, il dit quoi? J'aime bien parole vivante, j'aime bien parole vivante. J'aime bien parole vivante. Là, ce que je venais de lire, c'est Louis Segond. Mais alors écoutez maintenant, dans cette version, est vraiment clair dans ce qu'il est en train de parler. Il dit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Alléluia. C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez de sages et restez sobres et priez. Alléluia. Alléluia. Je voulais partager avec toi ce chapitre ce soir. Alléluia. Il dit la fin d'une chose, la fin du monde arrive. Il dit la fin de toutes choses arrive. La fin de toutes choses arrive. La fin de toutes choses arrive. Louis Segond est en train de mettre ça. Pas réellement dans le présent. Mais il est en train, il est conjugué dans le passé. Il est conjugué dans le futur plutôt. Il est conjugué dans le futur. Il dit, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? La fin de toute chose arrive. Alléluia, est-ce que tu es avec moi?
La fin de toutes choses arrive. Alléluia. La fin de toutes choses arrive. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? À l'image que c'est comme si que tout ça va passer. Tout ce que Dieu a créé va passer. Est-ce que vous savez que même le ciel passera? Est-ce que vous savez que Dieu va renouveler tout? On aura un nouveau ciel. On risque même d'avoir de nouveaux anges. Parce que tout le monde a péché. Alors il arrivera un temps où que Jésus va mettre tout. Donc les compteurs va changer. Donc va rentrer à zéro. Alléluia. C'est la fin de toutes choses arrive. La fin de toutes choses arrive. Mais pourquoi la Bible nous parle de ça? Alors, parole vivante, lui, part plus loin, il dit, c'est bientôt la fin du monde. Il dit, c'est bientôt la fin du monde. Frères et sœurs, laisse-moi vous révéler ces choses. Toi qui es tenté d'entrer maintenant, partage la vidéo parce qu'on va parler de choses extraordinaires aujourd'hui. Dieu te bénisse pour ta fidélité. La fin du monde arrive. La fin de toutes choses arrive. Et si que la fin de toutes choses arrive, ça veut dire nous entrons à une dimension. Non, nous entrons à une saison, dans ces saisons-là, qui est tellement trop bizarre. Dans ces saisons bizarres, qu'on trouvera maintenant, des faux prophètes vont sortir. On trouvera de fausses prophéties. On trouvera des gens se séparer. On trouvera des scandales à l'église. On trouvera le monde à l'église. On trouvera des scandales. Pourquoi? Nous sommes proche à la fin de toute chose. Alléluia. Au moment où que le pain deviendra difficile, au moment où que non, les gens sera difficile de vivre ensemble, au moment où que les diables, parce que la Bible déclare, lorsque l'Éternel a précipité le diable sur la terre, il dit malheur à la terre, car le diable est descendu là. Il est descendu avec une très grande colère. Et la colère du diable est pourquoi? La colère du diable est pour détruire. La colère du diable est pour nous faire quitter dans la présence de Dieu. La colère du diable, il a besoin de nous enlever, de nous décharger, de nous appuyer, dépouiller dans les choses de Dieu. Si que tu avais des armes spirituelles, le diable a besoin de te dépouiller. Il a besoin de t'enlever dans la présence de Dieu. Il a besoin de t'enlever dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a besoin de t'enlever dans la présence de Dieu. La fin de toute chose arrive. Un enfant sage, un enfant intelligent, quand on lui dit, le professeur avait donné que 20 minutes, bien, même s'il est venu en retard, bientôt, on va récupérer des feuilles de l'examen. Tu verras l'enfant, peu importe si qu'il devait écrire beaucoup de choses, mais il risquera d'écrire l'essentiel. Enfin, oh my God, enfin que le professeur puisse comprendre exactement ce qu'il avait besoin de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pourquoi? La fin de toutes choses arrive. Lorsqu'on arrive à la fin de toutes choses, et un homme sage voit la fin, il commence à faire l'essentiel.
Mais un homme qui n'est pas sage, c'est celui qui vit pour tous les jours. Il vit de la même manière. Mais quand on arrive à la fin, quand on arrive avant même la fin, ça rend quelqu'un responsable. De dire, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il y a un homme, il s'appelle Enoch. Il y a un homme, il s'appelle Enoch. La Bible déclare que non, cet homme, il a passé des moments tellement dans ses yeux difficiles. Alléluia. Et il y a une circonstance qui était venue. À travers de cette circonstance-là, ça donnait à Enoch l'envie de s'accrocher encore à Dieu. Et quand il a vu, c'est la même chose, même toi qui es en train de me suivre. Et ça n'est pas comme ça, c'est un peu comme ça. Sans mon nom, même dans la carte de la famille, Mouto a koufi. Mouto a koufi. Maman a koufi. Obo a koufi. Oh, mais tu regardes, mais oh, mais attends, qui sera le prochain? Alors, si que non, c'est une chaîne qui est là devant moi, alors il faut que je puisse faire l'essentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la Bible déclare la fin de toutes choses arrive. Alors, si la fin de toutes choses arrive, quelle est la suite de ce verset qui est en train de dire ce soir? La fin de toutes choses arrive. Soyez donc un sage et sobre pour se jeter dans la prière. Vous comprenez ça? Pour se jeter dans la prière. Frères et sœurs, tant ma camomo na ezo avancé bien t'es, sois sage et accroche-toi à la prière. Même ton mariage, même ta relation, quand tu vois que ça ne va pas bien, ce n'est pas tout de commencer à chercher de changer des habits. Ce n'est pas tout que nous de commencer à chercher de changer de vêtements, de mettre des make-up, de changer de plantes, de faire ceci. Non, 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 ce n'est pas ça le cas. Ce qui est important est que quand tu vois des choses ne marchent pas, jette-toi dans la prière parce que c'est par là que tu auras la sagesse enfin de savoir comment tu peux marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La fin de toutes choses arrive. Dans ma famille, Batoubaba l'a raté. Ma grande sœur a balaté. Oh, on n'a pas balaté. Oh, on n'a pas balaté. Oh, on a divorcé. Oh, on n'a pas divorcé. Oh, on n'a pas divorcé. Oh, mais attends. À la fin de cette course, à la fin de ces chelons, des choses bizarres. Mais qui sera le prochain? Oh, non, 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 non. Si comme ça, ça me rend que je puisse être sage, enfin de se jeter dans le pied de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La fin de toutes choses arrive. Soyez donc sages. Alléluia. Soyez donc sages. Vous comprenez ça? Soyez donc sage. Et fais quoi? Prie. Est-ce que je parle à toi? Ta vie ne changera pas avec tout ce que tu es en train de faire. Mon frère, ma soeur. Ta vie ne changera pas avec des choses qui sont en train de passer dans ta vie. Ta vie ne changera pas avec des actions que tu fais. Mais ta vie changera dans la prière. Je connais l'importance de la prière. La prière brise. La prière change quelqu'un. La prière nous ramène à une dimension. La prière ramène quelqu'un dans une dimension initiale. La prière change nos vies. Soyez sages et priez.
Soyez sages et priez. Rappelez-vous, la Bible nous recommande même de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Je veux que tu puisses être une femme, un homme de prière. Je veux que tu puisses être une femme, un homme de prière. Que personne ne te sépare avec la prière. La prière, c'est la nourriture de tous les jours. C'est la prière qui nous change. Alléluia. Alléluia. La prière. La fin de toutes choses arrive. Soyez des sages. Et restez dans la prière. La fin du monde arrive. Soyez sages et restez dans la prière. Quand c'est la fin, on ne fait pas des choses comme on avait fait hier. Quand c'est la fin, on ne se donne pas à tout le monde. Quand c'est la fin, on n'accepte pas tout. Au début, je peux blaguer. Au début, je peux blaguer. Ce chapitre a l'image. C'est comme si que ta vie ne change pas aujourd'hui, ta vie ne change pas demain. Mais là, j'étais en train d'avancer. Ta vie ne change pas aujourd'hui, ta vie ne change pas demain. Mais là, j'étais en train d'avancer. Alors ça te ramène déjà à la fin d'une chose. Quand on commence à entamer déjà la fin d'une chose, il faut qu'on devienne sage. Il faut qu'on devienne sage. Je suis dans quelle saison? Je suis dans quel quartier? Je suis sorti dans quelle famille? Vous comprenez ça? Hallelujah. Parce que pourquoi on nous envoie dans la prière? On ne nous envoie pas à la prière par sentiment. C'est ce qu'il faut comprendre. Si Dieu nous envoie dans la prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on nous dit, la fin de toutes choses arrive, soyez sages. Ça veut dire que non, Neko, frère, sœur, réveille-toi. Oh là là, les temps, taille les cas. Fais l'essentiel. Alléluia. Fais l'essentiel. Il y a beaucoup de gens, le diable a aveuglé beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes à la fin. Le diable met dans la tête de tout un chacun de nous qu'on est encore au début, tu as encore le temps. Mais pourtant, la Bible déclare qu'il nous rachetait les temps. Car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Soyez sages et plongez dans la prière. La prière, c'est le poumon d'un chrétien. La prière, c'est le souffle d'un chrétien. La prière, c'est de veine d'un chrétien. La prière, c'est l'estomac même d'un chrétien. Sans la prière, je ne peux pas vivre. Dieu nous demande, il nous recommande de prier sans cesse et de ne pas se relâcher. Pourquoi? C'est pour notre bien. Parce que je vous avais montré le jour-là des choses que le diable est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Des choses que le diable est capable de faire dans la vie de chacun de nous. Les diables
est capable, a le pouvoir de te prendre maintenant, après de finir à suivre la prédication de l'homme de Dieu Moïse Tshamala. Et demain, tu meurs. Et même sur les champs, pendant que je suis en train de parler, il a tous ses pouvoirs. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand Dieu avait précipité le diable sur la terre, est-ce que je peux prophétiser? Quand Dieu avait précipité le diable sur la terre, Dieu n'avait pas dépouillé le diable. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand Dieu avait précipité le diable sur la terre, Dieu n'avait pas dépouillé le diable. Parce que le diable était puissant. Il était tellement puissant. Imaginez-vous que le diable, de la même manière que Satan, on s'est prosterné devant Dieu, et les diables aussi, on s'est prosterné devant lui, auprès de beaucoup des anges. Donc si c'était aujourd'hui, on allait dire que après patron et un manager. Donc ça veut dire qu'il y en a là, et ça là qui, après Jésus, hein, tout chango bongo, hein. Donc, il est incomparable, mais mettons ça comme ça. Parce que le diable, il avait aussi un pouvoir. Alléluia, au ciel. Il avait un mot à dire au ciel. Mais qu'est-ce qui a fait que le diable puisse être précipité sur la terre? C'est parce que il commençait à monter avec son orgueil. L'orgueil lui montait. Pourquoi? De la même manière que moi, je suis en train de boire le jus dans cette verre qui, dans cette coupe en or. Et de la même manière qu'on est en train de servir le créateur de toutes choses. Mais maintenant, en regardant toutes ces choses, le diable commençait à se comparer avec Dieu. Et la Bible déclare, Dieu a pris le diable, il lui a frappé et il lui a précipité sur la terre avec toutes ses colites. Tout le monde qui s'est prosterné devant le diable, Dieu les a jetés sur la terre. Mais Dieu ne lui avait pas dépouillé. Et c'est par là que l'Éternel est en train de crier « Malheur à la terre !» Car le diable est descendu avec une forte colère. Et cette forte colère, c'est à cause de ça que Jésus a regardé combien que Satan était en train de massacrer la vie des gens. Il est descendu lui-même afin de mourir à la croix pour toi et moi. Et c'est par là que le diable a été dépouillé. Dieu a dépouillé le diable dans la croix. Dieu a dépouillé le diable dans la croix. Dieu a pris les armes de diable de la croix. Dans la croix, Dieu a dépouillé le diable dans la croix. C'est dans la croix que le diable était dépouillé. Mais en faisant toutes ces choses, peu importe que Dieu a dépouillé le diable, mais Dieu n'a pas tué le diable. Oh, c'est ça, c'est là où que non, tu vas comprendre. Dieu n'a pas tué le diable. Et Dieu n'a pas tué aussi les gens qui sont tout autour du diable. Dieu n'a pas tué le diable. Il faut comprendre. Les diables existent et les diables fonctionnent. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel est en train de dire « Venez à moi ». Ce n'est pas pour rien que l'Éternel est en train de dire « Je suis le chemin qui amène à la vie ». Pourquoi? Parce que le diable existe. Il dit « Je vous montre deux chemins ». Ce premier chemin que je vous montre, c'est le chemin qui vous ramène dans le royaume. Alors le chemin qui suit, c'est le chemin qui ramène dans la perdition. Mais moi, je veux que tu sois... Mais pourquoi il nous montre deux chemins? Pour nous dire, le diable existe et il travaille. Soyez sages. Matthieu chapitre 1 Pierre verset 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses arrive. Mais soyez sages et plongez-vous dans la prière. Combien de mabale lelo ezo panzana?
Mais le diable a aveuglé bango. Le diable est parmi nous. Combien de couples de gens se séparent? Combien de gens, même dans des mariages, deviennent de moins sérieux? En commençant à tricher son mari, en commençant à tricher sa femme. Mais qui fait tout ça? Ce n'est pas Dieu. C'est le diable, parce que le diable n'était pas tué. Le diable, même jusqu'à maintenant que je te parle, ce n'est pas pour rien qu'il s'accroche à Dieu. Si c'était que le diable, il était tué, mais l'église n'allait pas exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le diable était en vie, mais pourquoi on devait prier? Tu vas prier qui? Alléluia. Alléluia. Et même, peut-être tu peux être là où tu es. Tu es en train de dire, mais la Bible déclare, lorsque quand quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Mais il faut, est-ce que tu les prends dans quel coin? Quand la Bible déclare que, lorsque quand quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses passées sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est en train de faire l'allusion à quoi? Est en train de faire l'allusion à notre ancienne vie. À notre ancienne vie. Il dit la vie, quand quelqu'un est en Christ, il était comment? Il était un brigand. Il était qui? Il insultait. Il était qui? Il était ceci. Il était quoi? Il était colérique. Il était ceci. Il était cela. Il était ceci. Il était cela. Il était toutes ces choses mauvaises. Alors, mais quand quelqu'un vient en Christ, il change les choses passées. Ce sont des choses-là. Des comportements, de vol, de fornication, de ceci, de cela. Toutes ces choses, c'est ça qui passe. Mais ce n'est pas dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu libre, totalement, le diable est mort, n'existe pas encore, il ne sera pas tenté, parce que, comme il a, non. Parce que, rappelez-vous dans l'histoire de Job, Job était en Christ. Toutes choses étaient devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que Job craignait l'Éternel. Job n'avait pas la même vie que nous, il menait hier. Ça veut dire que non, toutes choses deviennent nouvelles par rapport au comportement. Oh, d'accord. Toutes choses deviennent nouvelles par rapport peut-être que non à notre vie. Toutes choses deviennent nouvelles par rapport à notre langage, à notre habillement, à notre manière de faire les choses. C'est par là toutes choses deviennent nouvelles. Mais maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas que non, tu étais dans la main du diable alors que tu n'es plus, tu as tué le diable. Non, 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 non. On t'a juste arraché dans la main du diable, mais on n'a pas tué les diables. Et même pour ton information, même quand nous prions, nous tuons pas les diables. Mais juste que, on lui chasse à côté de nous. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6, oh my God, je ressens, I feeling the presence God, je ressens la présence de Dieu, je ressens l'onction de Dieu. Même quand Dieu nous dit, quand vous priez dans Matthieu chapitre 6 verset 9, quand il dit que nous prions, notre Père qui est au ciel, ne nous enduit pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais pourquoi Dieu nous envoie encore, ne nous enduit pas en tentation, mais délivre-nous? Non, mais qui tente les gens? J'avais expliqué cela. Alors, je vais même expliquer ça les dimanches. Soyez branchés avec moi, que Dieu le bénisse. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu ne tente pas ses enfants. Dieu nous ramène, il nous fait passer dans des épreuves. Mais Dieu nous a jamais tentés. Mais pourquoi Dieu dit? Ne nous induis pas en tentation. Parole vivante même, il dit, ne nous expose pas en tentation. Alléluia. Parole semeur est en train de dire, ne nous cède pas en tentation. Mais pourquoi? Qui tente? C'est le diable là. Je suis venu ouvrir les yeux de quelqu'un pour dire, réveille-toi. Nous sommes à la fin de toutes choses. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Nous sommes à la fin de toutes choses. Réveillez-vous. Le monde est en train de mourir. Réveillez-vous. Où va le monde aujourd'hui? Où va le monde aujourd'hui? Si l'Éternel
Dans le livre de Genèse, il avait eu cette envie de tuer le monde. C'est par rapport aux choses que nous voyons aujourd'hui. Mais des choses là, peu importe que, oh my God, l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, à chaque fois que vous faites du mal, à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu fais du mal, à chaque fois que tu voles, à chaque fois que tu insultes, c'est en d'autres images, tu ramènes encore Jésus-Christ à la croix. Ah. Parce que Jésus-Christ, il avait monté à la croix une seule fois pour moi et toi. Il avait monté à la croix une seule fois pour moi et toi. C'était quoi l'objectif de Jésus? Il avait besoin que toi et moi qu'on puisse changer. Il avait besoin que toi et moi qu'on puisse changer. Apparemment, on est en train encore de se jeter sur ce qu'on avait déjà vomi. Donc, notre ancienne vie commence encore à nous coller. Mais pourquoi on rentre encore en ça? C'est l'une des choses qui ouvre le porte afin que le diable puisse nous toucher. Parce que c'est lui qui marche dans la sanctification. C'est lui qui marche à l'obéissance de Dieu. C'est celui qui est tellement difficile pour être touché. Si que tu seras touché, est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je peux ouvrir ça? Si que tu seras touché, tu ne seras pas touché par la volonté du diable, mais tu seras touché par la volonté de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras touché par la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, ah, parce que dans l'histoire de Job, si qu'on avait touché, alors c'est là que l'on va ouvrir, c'est là que l'on tu dois connaître. Si que Job était touché, n'était pas touché parce qu'il était pas sage, n'était pas touché parce qu'il était dans la distraction, il était touché parce que Dieu avait permis. Ah, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que un homme qui vit dans la dimension des élevés, un homme qui vit dans la dimension plus élevée, un homme qui obéit à la parole de Dieu, un homme qui aime la prière, c'est celui qui est tenté pas par la volonté du diable, mais il est tenté par la volonté. C'est l'une même des choses que je suis en train de dire aujourd'hui. Dieu peut te laisser célibataire pendant tant longtemps, mais en réalité, si que tu marches dans la sanctification, dis-toi, ce n'est pas le diable qui me fait cela, mais Dieu est en train de me former. Parce que je peux te dire une chose, même David, du moment où qu'il était en train de passer, je suis sûr à cette époque-là, je te vous parle en qualité d'un serviteur de Dieu. Je suis sûr à cette époque-là, si que tu étais toi, tu allais peut-être dire, si c'était moi aussi, j'allais peut-être dire, oh non, le diable est en train de me tenter. Le diable est en train de me tenter. Le feu de Dieu dans Osobandobel et la moto Nzambe. Mais en réalité, parce que la différence c'est quoi? Un homme qui marche dans la sanctification, oh, une femme qui marche dans la sanctification, c'est celui que les diables ne lui touchent pas par la volonté du diable, mais c'est par la volonté de Dieu que non, il est touché. Et aussi ce qu'il faut comprendre, un homme qui est touché du diable demande même au diable, si tu es touché, oui, bien sûr. Mais tout n'a été qui, avant qu'on touche, qu'est-ce qui était passé? Avant que le diable puisse venir dans ta vie, toi, la personne qui craint le Seigneur, il a d'abord passé par Dieu, à Bethil, selon Nzambe. C'est par là que Nzambe a dit, ok, Simbaye, Simba Papa Adonai, Simba Fallon, mais que Simba Molim on a été. Parce que, Aébika, oh, t'es alors, n'a pas sepeli sa bata mokili. Le quoi bata mokili balini qui a souffrir. Ah, d'accord, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Souffrir na orara. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Ndima na orara. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Ndima rosano célibataire. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Ndima no ke non libale yate. Ndima no ke moi si aya nanoute. Ndima no ke peut-être libala wane panzana. Ndima no ke peut-être mobali aboyayo. Ndima no ke peut-être moi si aboyayo. Mais pourquoi Dieu est en train de dire nzambe akoki o risque ya ke atali abia lokwa bango balingi ke no asambo tikano asambo nanu? Mais en réalité,
na grandeur ya munene o ekofini quand même na trois zalé na liboso. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Je suis en train de parler dans ta vie, dans ton esprit, que la souffrance que tu es en train de vivre maintenant, ah, si que tu crains l'Éternel, c'est juste un moment que Dieu est en train de te faire passer pour te ramener à une dimension plus que même ça. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une préparation de Dieu. C'est la préparation de Dieu. Alléluia. C'est la préparation de Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est la préparation de Dieu. C'est la préparation de Dieu. Alléluia. C'est la préparation de Dieu. Mais le diable existe, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fera qu'on puisse vaincre? Mais qu'est-ce qui fera qu'on puisse sortir de vainqueur? Ah, tu vois, c'est la question que tu te posais. Laisse-moi t'expliquer. Mais qu'est-ce qui fera qu'on puisse sortir de vainqueur? On sortira vainqueur, c'est par la prière. On sortira vainqueur seulement par la prière. La prière changera l'homme. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe que ton enfant... Peu importe que ton enfant est tellement mal à la tête, ton enfant n'entend pas, alors ne jette pas ton enfant, alors ne mets pas ton enfant à côté, alors ne lui donne pas chez les voisins, parce qu'il peut changer par la prière, parce que tout est possible à celui qui croit. Tu vas croire comment? Tu vas pas croire à quoi, mais tu croiras par la prière. Par la prière fêtera dans ta bouche. Alors c'est ça par là que tu sortiras vainqueur. C'est par là que tu sortiras vainqueur. Alléluia. 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 C'est par là que tu sortiras vainqueur. La fin de toutes choses arrive, frères et sœurs. Je réveille ton esprit. Je suis en train de crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Je suis en train de crier, enfin de dire, la fin de toutes choses arrive. Soyez prudents. Jean-Baptiste est en train de crier, préparez-vous, car Jésus-Christ est au chemin. Et Dieu est en train de parler à ton esprit ce soir. Ne fais pas ce que tu veux faire là. Mokile komina suka. Tout est devenu difficile. Alléluia. Tout est devenu difficile. On n'arrive pas. Pourquoi? On est arrivé à la fin. Mais jette-toi dans la prière. Jette-toi dans la prière. Jette-toi dans la prière. La prière change. Écoute, même toi qui vas dire, il arrive parfois dans notre vie, Jésus peut passer un moment où que en réalité, tes prières sont enregistrées. En réalité, tes prières sont écrites dans le livre des souvenirs. En réalité, Dieu est en train d'écrire ce que tu es en train de dire. En réalité, les anges sont là et sont en train d'écouter ta prière. En réalité, Dieu est en train de t'écouter. Dieu est en train de t'écouter. Il arrivera un moment, ma prière au salakala, mais Dieu va te le donner au moment où que non, que bosanango prie à Kalisu pour n'angote. Pourquoi? La prière. C'est une chose puissante. La prière. Alléluia. La prière. La prière.
soyez sages et priez. Alors, je suis là pour te dire, on passera un moment magnifique demain dans la prière. On passera un moment magnifique toute cette année, tous ces mois ici, pardon, le mois qui reste. On le passera dans la prière. Alors connecte-toi avec nous, connecte-toi avec moi, connecte-toi avec la chambre haute, l'église. Moi, je suis sûr, tu sortiras changé. Hallelujah. Tu sortiras changé. Tu sortiras changé. La prière. La prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Alors là où tu es, je finis mon enseignement. Je finis cette exhortation. Je suis sûr que nous allons avancer et nous allons aller loin. Et nos vies seront délivrées. Je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas. Je serai là. Et enfin, de vous ramener dans la prière. Il faut que nos vies puissent changer. Soyez donc sages. Et priez. Et priez. Et priez. Et priez. La Bible déclare qu'un jour que Jésus était ensemble avec les disciples, au milieu de la nuit, Jésus s'élève un bon matin. La Bible déclare que Jésus a commencé à prier. Il a prié jusqu'à ce que ses sueurs a changé la couleur et est devenu rouge. Lui-même Jésus, notre professeur de la prière, mais lui-même il est en train de prier. Et alors nous, on fera quoi? Il est en train de dire aux disciples dans le livre de Marc, il est en train de dire, oh, si que moi, on me fait ainsi, on me maltraite, on me combat, on me fait ceci, on me jette de pierre, si je suis tenté tous les jours, et alors vous, vous serez comment? Priez donc pour ne pas tomber dans la tentation du diable. Un jour, Jésus venait de faire un miracle. Un jour, Jésus venait de faire un miracle. Il a fait un miracle, mais qu'est-ce qui se passe? Après avoir fini de faire ce miracle que Jésus a fait, il a dit aux disciples, il a dit, allez de l'autre côté. Allez avancer devant. Avancez devant. Il a dit avancez devant. Mais pourquoi Jésus avait envoyé les disciples, aux disciples d'avancer devant? Parce que Jésus savait, je viens de faire sortir l'énergie. L'onction vient de sortir. La Bible déclare que Jésus est resté. Il est resté faire quoi? Prier. Frères et sœurs, mokili oto zanango, eza mokili abitumba tous les jours. Pendant longa, il faut sambela. Et même nous, les hommes de Dieu qui est en train de te prêcher ce soir, après avoir fini de faire sortir l'onction que je fais sortir ce soir, j'entre encore dans la prière, afin de remplir la vase. La prière.
La prière. Prière n'est pas délivrance à vie. La prière qui va te donner le mariage, c'est la prière. La prière qui va changer ta vie, c'est la prière. La prière qui va délivrer ta famille, c'est la prière. C'est même la prière qui va appeler la présence de Dieu dans ta vie, la prière. Tous les jours, c'est la prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas pour rien, ma soeur, mon frère. Prie! Parfois, on est distrait avec le pain que nous voyons, Seigneur. Parfois, on est distrait avec le poisson. On est distrait avec la voiture. On est distrait avec des bisous. Quand tu es avec ton mari, avec ta femme à la maison, à tout moment, baby, chérie, ceci. Et vous pensez que le diable vous a oublié. Non! Il peut jeter juste un missile là-bas, là où vous êtes. Il peut juste parler, il peut juste dire quelque chose. Et demain, oyoka ke batwana baseni, ba divorcé. Batwana baseni, ono ba bundaki. Batwana baseni, basala kiboué. Pourquoi? La distraction. La distraction. Est-ce que tu peux dire avec moi la prière? La prière. Dieu vous bénisse, maman Blondine Kalonji. La prière. La prière nous change. Jésus est resté, il a dit, passez devant moi. Je suis resté pour prier. Si Jésus prie, alors toi. Si Jésus prie, alors nous. Si Jésus prie, alors nous. Prie tous les jours. Tu veux manger, prie. Tu veux parler, prie. Tu veux sortir, prie. Tu veux même rester avec ton mari dans la chambre, prie. Parce que pourquoi? Pourquoi on nous recommande de prier sans cesse? Parce que les diables, ils rôdent tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui peut déchirer. Alléluia. C'est ainsi que tu vois, j'ai toujours dit, à chaque fois que si tu veux aller te marier, à chaque fois, même toi qui es en train de se préparer pour le mariage, dis-toi, je veux me marier avec qui? Pourquoi? Il faut toujours avoir même quelqu'un qui va te ramener toujours dans ces lieux de prière. Parce que la prière, c'est la vie. Une relation ou un mariage sans la prière, vous n'allez pas avancer. Ce n'est pas parce que vous mettez au monde, c'est ça que non, vous êtes calé. Ce n'est pas parce que vous trouvez l'argent, c'est ça que non, vous êtes calé. Ce n'est pas parce que non, que tu es véhiculé, c'est ça que tu es calé. Mais si tu es calé, ton mariage est soudé. Ton mariage est bien soutenu. C'est parce que Dieu est en train de prier. Oh my God, est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Dieu est en train de dire à Pierre, parce que c'est qu'il faut comprendre, à chaque fois que tu désires la présence de Dieu dans ta vie, il arrivera un moment où que des choses qui commencera à venir dans ta vie, alors peu importe tes faiblesses, vu que tu aimes la prière, Dieu commencera à prier à ta place. Oh, donne-moi un bon amen. Parce que Dieu est en train de dire à Pierre, 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 le diable t'a réclamé, mais moi, je priais pour toi. Mais moi, je priais pour toi. Comme pour dire, ce n'est pas la prière de Pierre qui avait protégé Pierre. Oh, mais c'était la prière de Jésus qui avait protégé Pierre. Parce que la Bible déclare, Dieu est assis à la main droite du Père, et il intercède pour nous. Comment il intercède? Il intercède pour nous pas en parlant. Il intercède pas pour nous
Orion, non, non, non. Il intercède pour nous en priant. Il prie pour nous tous les jours pour qu'on puisse pas être touché. Alléluia. Alors Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Et on va continuer demain. On va continuer demain, ok? On va continuer demain. On va continuer demain. Et demain ne manque pas. Alors toi qui es là, qui est en train de nous suivre, de me suivre maintenant, tu verras juste l'adresse, sera juste là, dans votre poste récepteur, dans vos téléphones, dans ton ordinateur. Si que tu as besoin de prier avec nous, si que tu as besoin d'écouter ces choses face à face, je vous invite demain dimanche à partir de 18h jusqu'à 19h, 19h40, juste qu'une heure du temps, une heure quelque chose dans la présence de Dieu pour écouter ces choses. La Bible déclare. Mon peuple périt par manque de connaissances. Frères, sœurs, la première chose, ces premières armes que le diable utilise, alingamututekazwa connaissance. Alingakamututekazwa connaissance. Pomukolomutakoyeba oyazali. Yangono moni même nabandoto na yo. Yangwano moni même na bandoto na yo. Diable ayaka ko a permettre kato olota. Pourquoi? Les songes aident quelqu'un enfin de connaître son identité. Les songes aident quelqu'un enfin qui puisse converser avec le Seigneur. À chaque fois, la conversion de toi avec Dieu, ça va commencer à s'améliorer. Automatiquement, tu auras la connaissance. À chaque fois que tu vas commencer à voir, en réalité, tu connaîtras ton identité et tu diras non à autre chose. Oh, est-ce que je peux? Oh my God. Laisse-moi finir avec ça. Moïse était calé dans sa maison. Moïse était en train d'étudier dans l'école Yabatombo. Moïse était en train, il était dans une maison calée. Bon, mais la tine attend. Moïse mangeait 6 fois par jour. Moïse s'habillait avec Babilamba, même pas ya mola mike. Moïse mettait des habits yabatu. Parce que pourquoi? Pharaon, il vivait dans la maison de Pharaon. Pharaon avait beaucoup d'argent. Imaginez-vous que non, l'Égypte, il y a même beaucoup de gens commençaient à fuir de quelques pays pour venir en Égypte, pour venir pour la nourriture. Ça veut dire, mais Moïse, maintenant, Moïse était habité avec Pharaon. Moïse restait avec Pharaon. Moïse a étudié dans l'argent de Pharaon. Moïse a mangé dans la table de Pharaon. Moïse partait dans des écoles plus élevées. Moïse restait avec des gens plus élevés parce que il était calé en tout. Mais dans toute chose qui était en train de passer dans la vie de Moïse, Moïse n'avait pas encore la connaissance parce que Moïse ne connaissait pas bien son identité. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse ne connaissait pas son identité. Les jours où que Moïse a connu son identité, oh, recommencer. Moïse, le jour que non, il a compris son identité, c'est le jour où que Moïse a pris la décision de ne pas encore appeler fils de la fille de Pharaon. C'est par là que Moïse a pris la connaissance. La connaissance est venue pour comment? Est venue par une réclamation de Dieu enfin de l'appeler pour le servir. Est venue à une réclamation de Dieu pour appeler dans une service. Alors, mais ce qu'il faut comprendre est que à chaque fois que Moïse était dans la maison de Pharaon, Moïse avait toujours l'écaille dans ses yeux. Tous les jours dans ta vie, cherche que les écailles puissent tomber. Tous les jours dans ta vie, cherche à voir la connaissance. Parce que le jour où que tu auras la connaissance,
Il y aura une difficulté tellement plus forte, le diable n'aura pas le pouvoir de te toucher. Parce que pourquoi? Cet homme est connu. Cet homme... Alléluia. Parce que cet homme connaît la vérité. Il y a un homme qui dit que non, tu vas vivre toujours dans l'ignorance. Tu vas vivre dans l'ignorance. Tu vas vendre dans l'église par ignorance. Tu vas dans l'église, tu vas vivre dans l'église. On commence à donner des prophéties. Ma prophétie Zara ya que non, ma sœur, na monio. Ou ma prophétie Mikolo que non, je vois pour le col et les mots. Je vais te donner. Alors maman Blandine, ton numéro de téléphone, c'est 319 422 et ceci c'est là et ceci c'est là. Il y a un autre et puis directement la maman Blandine. Eh hey, papa, yango enga enzambe. Oh mais attends. Est-ce que tu penses que yango anande fungoli vina yo? Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait tomber les écailles dans tes yeux? Est-ce que c'est ça qui va te ramener dans le royaume? On a juste parlé ton numéro de téléphone. Alors toi, tu connais pas ton numéro de téléphone? Oh non! Je vois... Eh, le frère là. Oh, qui ça? L'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse Chamala. Oh d'accord. Oh, je suis un prophète que je te connais pas. Je suis en train de voir, c'est comme si que... On est en train de mettre M-O-I-S-E. Est-ce que c'est toi? Oh oui, c'est moi. Prophétie Pesukeluan. Non. Prophétie, quand Dieu est en train de parler, il faut l'obé la biso. Nini oyo nzamba zoloba. Nzamba komi na registre m'appelle Abenga Rabatu. Nzamba banda ko benga Fallon. On a cité ton nom et puis c'est fini. Maman Naomi, on a cité ton nom, c'est fini. Et maman King, on a cité ton nom, c'est fini. Non, c'est pas ça une prophétie. La prophétie, on doit nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu va parler de ma vie. Mais pourquoi l'église n'arrive pas à ramener les gens dans la présence de Dieu? Parce que nous sommes aveuglés. Que Dieu vous bénisse. Alors, on continue demain. Que Dieu soit loué. Et que le Seigneur soit loué. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous ce soir. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Avec ces mandats que tu m'as donnés, je viens, Père. Je viens, mon Dieu, faire tomber tout ce que mon Dieu est du diable. Tout ce que mon Dieu est du diable. Dans la vie de ma sœur, mon frère. Les écailles qui est dans ses yeux. Enfin qu'il puisse pas comprendre la notion du temps. Qu'on est arrivé au temps de la fin. Qu'on est arrivé au temps de la fin d'une chose. Toutes les écailles qui est dans ses yeux. On a puissant de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu puisse entrer, Père, faire tomber des écailles dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la vie des gens, mon Dieu, soit libérée au nom de Jésus. Que la vie des gens soit libérée au nom de Jésus. Je prie maintenant, Père, la puissance de Dieu soit leur partage. Je libère la vie de tout le monde. Je libère la vie de tout le monde. Que la vie de prière puisse prendre place dans chacun de nous. Que la vie de prière puisse prendre entrée dans les maisons des gens qui me suivent maintenant. Libère au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la faiblesse. Esprit de faiblesse. Esprit de faiblesse. Je te chasse au nom de Jésus. Alors je fais entrer la délivrance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse. Alors, on se retrouve demain. À partir de 18h jusqu'à 19h45. Dieu te bénisse et l'Éternel puisse te faire du bien. Alors merci à toi, maman Fallon, d'être fidèle. Merci à toi, maman Blandine Kalonji. Merci à toi. Merci à toi, papa Adonai. Merci à toi. Merci à toi, Kalonji Rite. Merci à toi.
Laurie Kalusha, merci à toi. Claudine Mombi, merci à toi. Merci à vous, tout ce qui est là, branché, qui est en train de nous suivre. Merci, que Dieu vous bénisse. Même vous qui êtes en train d'entrer maintenant, que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse. Alors, partagez la vidéo, faites comme on fait tous les jours. Alors, on se retrouve demain. N'oubliez pas notre programme de demain. Alors, que Dieu vous bénisse. On s'est dit quoi? On s'est dit bye. Écoute, il y a une chanson que je vais finir avec. Qui dit? Yaka pembeni nangai, mosika na yo na zoko kate. Zala na vinanga, libanda na yo okufa Yeso. Libanda bakosi bazali mingi. Yesu balumba soluka ba devore ngai Yahweh. Kotika te nazala mosuni ya banguna na ngai. Po basasasasa ngai lokola taba bonane. Po basasasasa ngai lokola mboya bonane sunga ngai Yeso. Accroche-toi dans la prière et l'Éternel ne t'abandonnera pas. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.